Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un jour nouveau, mais Dieu nous a fait beaucoup de bien pendant tout ce temps. Malgré les confinements, malgré les questionnements, malgré tout ce que vous pouvez ajouter, Dieu est sur son trône et il est au contrôle de tout. Et c'est ce Dieu-là qui permet que nous puissions nous retrouver encore ce mercredi pour pouvoir nous entretenir autour de sa parole ou encore, pour mieux dire, pour pouvoir étudier sa parole. Il est là pour nous enseigner. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous saluer, vous tous qui nous suivez. Vous tous qui nous suivez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse et qu'il permette que vous puissiez passer de bons moments avec nous. Qu'il nous bénisse et nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce nouveau jour que tu nous as donné. Depuis le matin, tu as erré ça et là avec nous. Tu nous as assistés dans toutes nos activités et maintenant tu permets que nous puissions revenir au pied de ta croix pour pouvoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, non seulement te parler mais t'écouter aussi. Nous prions pour que tu nous bénisses et que tu bénisses ta parole et que tu permettes que ta grâce seule soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Comme vous le savez, mercredi après mercredi, nous parlons de la vie ou la mort à nous de choisir. La peste ou Jésus-Christ, c'est toujours à nous de choisir. Et nous avons vu ensemble ce que la Bible dit sur la peste. Et nous avions vu aussi mercredi passé ce que la Bible dit sur Jésus-Christ. Et la conclusion de mercredi passé, c'était que vraiment Dieu nous aide à ce que tous nous puissions choisir pour Jésus-Christ. Et j'aimerais partager aujourd'hui avec nous le psaume 23. Ce psaume qui, pour moi, me semble comme un résumé de notre pèlerinage terrestre. J'aimerais partager ce psaume pour montrer encore une fois l'amour de Dieu pour nous et nous pousser à réellement choisir pour lui. Nous allons lire ensemble le psaume 23. La Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Un psaume qui couvre carrément la vie de l'être humain. Lorsque nous recevons Christ, comme je l'avais dit mercredi passé, il vient habiter dans nos cœurs et la Bible nous dit ici, il nous conduit. Il ne nous conduit pas n'importe où parce qu'il sait que nous sommes dans ce monde, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous habiller, nous avons besoin de loger quelque part. Il connaît nos besoins, tant les besoins de base que les autres besoins même, des besoins juste pour nous faire plaisir. Il les connaît, il est au courant de tout ça. Et alors, il nous conduit, la Bible dit, il nous conduit vers des verts pâturages, c'est-à-dire un lieu où nous allons bien manger. Et non seulement ça, il nous fait reposer aussi. Donc, il peut nous loger, il peut nous habiller, il peut nous nourrir. Et il sait que nous avons besoin de ces choses dans ce monde. Et pendant ces pèlerinages aussi, nous devons boire et nous avons besoin de paix. C'est ce que le verset 2 nous dit. Donc, c'est à nous de faire un bon choix. Au verset 3, il ajoute, il restaure notre âme. Donc, il ne va pas te laisser être surchargé, non. Il nous restaure. Il nous restaure et il nous conduit dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire quoi? Il veut que nous puissions vivre comme lui. Lui, il a vécu dans les sentiers de la justice. Il a utilisé la justice tout au long de sa vie. Et la justice, c'est ça même
un des symboles de l'éthique chrétienne, c'est la justice. Tout ce que je fais, je dois être juste dans ce que je fais. C'est comme ça que je vais démontrer l'image de celui à qui moi j'appartiens. Il me conduit dans ces sentiers de la justice. Et maintenant, écoutez ce qu'il ajoute. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, hein, quand je marche dans cette vallée, il me dit de ne pas craindre. Pourquoi? Il est avec moi. Il ne m'abandonne pas. Il ne me délaisse pas. Et c'est une promesse qui revient plusieurs fois dans la Bible. Ne crains rien. 365 fois. Et je ne t'abandonne pas. Je suis avec toi. Ça revient aussi dans la Bible. Frères, sœurs, il ne nous abandonne pas. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Et il est là, et la Bible ajoute, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'est-à-dire, même lorsque je suis en train de marcher dans ce monde, je suis dans mon pèlerinage terrestre, je vais rencontrer les circonstances difficiles, je vais rencontrer des problèmes, je vais rencontrer des questions, je vais rencontrer tout ce que tu veux ajouter à cela. Frère, sœur, il est toujours avec moi. Il ne m'abandonne pas. Même lorsque ça sera la situation la plus difficile, la situation qui me semblera être impossible, il ne m'abandonne pas. Il est toujours avec moi. Et lorsque moi, je serai presque en train de me noyer, sa houlette et son bâton vont me récupérer. Il ne m'abandonne pas. Sa droite n'est pas courte pour faire du bien. C'est pourquoi nous devons continuer à nous accrocher à lui. Accrochons-nous à lui. Et il dit, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. C'est-à-dire, les ennemis pourront être là. Ils sont là. Mais puisque Dieu est là comme arbitre, il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. C'est là où, quand je comprends ça, dans mon pèlerinage terrestre, je fais mon choix. Et mon choix, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, puisque j'ai choisi pour Jésus-Christ, il dit ceci. Puisque je marche avec toi dans ce monde, puisque je suis avec toi, puisque je ne t'abandonnerai pas, puisque je serai toujours à tes côtés, il me dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Si cela pouvait être vrai pour nous tous. C'est pour cette raison, encore une fois cet après-midi, j'aimerais t'encourager à choisir pour Jésus. Choisis Jésus-Christ. Mais maintenant, tu es peut-être en train de te dire, « Ok, maman Cécile, elle veut que je puisse choisir Jésus-Christ. » Mais maintenant, regarde toutes ces situations qui sont en train de se passer, toutes ces choses qui découragent, toutes ces choses qui ramènent les gens à se poser des questions. C'est pourquoi, mon quatrième point, je suis en train de répondre, mais pourquoi Dieu permet cette situation? Cette situation-là pour laquelle toi, tu te poses des questions. Cette peste-là pour laquelle toi et moi, nous vivons comme dans la crainte. Pourquoi Dieu permet? Alors, je vais te donner la réponse, selon la Bible, pas selon moi. La réponse maintenant. Dieu permet cette situation pour que tu apprennes certaines leçons. La première leçon, et je crois que c'est la plus grande, c'est que tu apprennes à dépendre de lui. Dieu veut que nous, en tant qu'enfants, je l'ai dit, nous sommes enfants de Dieu. Je l'avais dit mercredi passé. Donc, en tant qu'enfants, Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Pas dépendre de quelqu'un d'autre, pas dépendre de quelque chose d'autre, pas dépendre d'une autre créature, mais que tous nous puissions dépendre de lui. Il est notre créateur. Alors, dans dépendre de lui là, pourquoi lui veut que ce soit comme ça? Parce que, une des premières choses, pourquoi nous devons dépendre de lui? Parce que nous lui appartenons. Depuis le jour où nous avons ouvert nos cœurs, nous lui avons donné la place dans nos vies, nous lui appartenons. J'aime beaucoup ce verset de Deutéronome 14, 2. Je le trouve toujours intéressant et il fait ma force. La Bible dit dans Deutéronome 14, 2, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi. Pourquoi? Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Imagine-toi, il y a combien de personnes dans ce monde? Maintenant, imagine-toi, il y a des gens qui sont nés les mêmes jours que toi, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a même qui sont morts, mais toi, tu as la grâce. Toi, tu as cette grâce-là de lui appartenir. Et il veut que tu puisses lui appartenir. En fait, quand on dit, par exemple, que cet ordinateur m'appartient, c'est-à-dire c'est mon bien à moi, c'est pour moi, je veux faire de cet ordinateur ce que moi je veux.
Même si je me dis aujourd'hui, je vais les casser, c'est mon bien, je peux les casser. Voyez. Et Dieu veut être avec nous comme ça. Qu'on dépende de lui, pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas à quelqu'un d'autre. Nous n'appartenons pas à son ennemi. Nous n'appartenons pas au monde. Et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Vous pouvez lire Deutéronome 7:6. Et vous pouvez aussi ajouter même 4:20 aussi que j'avais oublié. Mais maintenant aussi Jean 15:16 nous ajoute que lui nous a choisis pour que nous puissions lui appartenir. Que nous puissions être à lui, pas à quelqu'un d'autre. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il veut que nous puissions être à lui et à lui seul. Il ne veut pas partager sa gloire. Il veut être unique dans nos vies. Il veut que nous puissions lui donner la place qu'il faut dans nos vies. Matthieu 22, 37 à 39, dans sa première partie de Matthieu 22, cette portion-là, nous voyons que la première personne ou la première place doit être donnée à Dieu. Jésus dit d'abord Dieu. Hein? Vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. D'abord. Avant toute autre chose, c'est d'abord Dieu. Et nous sommes appelés à dépendre de lui parce que nous lui appartenons. Si nous vivons, c'est pour lui. Tout ce que nous faisons, c'est toujours pour lui. Tu appartiens à Dieu. Et puisque nous lui appartenons, nous sommes appelés à nous attacher à lui. Pas à un autre homme, pas à autre chose, mais à lui et à lui seul. Nous sommes appelés à marcher avec lui, à pouvoir vivre pour lui, pas pour autre chose, pas pour quelqu'un d'autre. Nous sommes appelés à vivre pour lui. Romains 8, 35 à 39, que j'aimerais bien que nous puissions lire. Romains 8, la Bible dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ?» ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, 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 parce que je suis attaché à lui, j'ai vie pour lui, je lui appartiens. Rien ne peut me séparer de lui. Rien du tout. Je vais rester attaché à ces dieux-là. Rien. Frères, sœurs, que les circonstances actuelles, que les difficultés actuelles, que les choses que nous rencontrons au jour d'aujourd'hui ne nous séparent pas de l'amour de Christ. Au contraire, attachons-nous à lui. Il a la solution à tous nos problèmes. Il peut permettre qu'une situation dure. Il peut permettre. Mais je te conseillerais, en ce moment-là, au lieu de continuer à prier seulement pour les changements de la situation, commence à prier pour demander au Seigneur quelles sont les leçons que moi je dois tirer de cette situation. Quelles sont les leçons? Si tu comprends les leçons, ça va t'aider maintenant à mieux gérer la situation. Mais si tu ne comprends pas les leçons, tu vas continuer à vivre dans la situation et Dieu ne pourra pas permettre que tu sortes de là, parce que tu n'as pas tiré les leçons. Il veut que tu tires les leçons. Quelles sont les leçons? Quelles sont les leçons? Et ces leçons-là dépendent de toi. Et c'est, chacun doit tirer ses propres leçons. Que rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Rien du tout. Maintenant, nous devons dépendre de lui, parce que nous lui appartenons. Mais aussi, parce que nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Nous ne sommes que des instruments. Nul ne peut dire, non, non, moi je ne suis rien. Non, non, nous sommes des instruments entre ses mains.
Parlant de Saul de Tarse, Dieu dit qu'il est un instrument qu'il s'est choisi. Vous pouvez lire ça dans Actes 9, 15. Dieu dit que c'est son instrument qu'il s'est choisi. Frères, sœurs, toi et moi tels que nous sommes, à partir du moment où nous sommes dans ce monde et dans les plans de Dieu, nous sommes ses instruments. Il aimerait nous utiliser dans ce monde pour que son royaume puisse aller de l'avant, pour que son royaume puisse triompher. Il veut nous utiliser pour ça. Et il dit, Saul de Tarse, c'est un instrument que lui-même s'est choisi. Et puisque c'est lui-même qui s'est choisi, qui va aller s'opposer? Qui va aller s'opposer? Personne. Personne. Luc 17, 10 dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Dans d'autres versions, nous sommes des instruments inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Vous voyez? Donc, en tant qu'humain, parce que la réalité, c'est quoi? Même toutes ces choses que nous faisons, nous les faisons, mais si nous essayons de regarder de près, nous n'en avons même pas les capacités. Nous n'en avons pas les capacités. C'est encore lui qui nous aide à faire ce que nous faisons. Parce que la réalité, essaye de voir un peu dans ta propre vie. Même l'intelligence que tu as, même cette capacité de te souvenir, si lui ne t'aide pas, est-ce que tu peux faire quelque chose? David, c'est un exemple que je trouve merveilleux dans la Bible par rapport à la dépendance. Malgré son niveau social, David avait appris à dépendre de Dieu. Ma prière est que cette pandémie nous ramène tous à dépendre de Dieu. Que ce ne soit pas qu'on nous oblige, non. Que cette pandémie nous ramène à cette dépendance. Car de nous-mêmes, nous avons sûrement pris des résolutions, mais nous ne sommes pas arrivés. J'essaie de voir un peu la vie de David. Si vous lisez par exemple 2 Samuel 5, 17, vous allez voir, avant d'aller combattre, il demande à Dieu, dois-je y aller? Vous allez voir. Si vous lisez aussi 2 Samuel 7, 18, il reconnaît l'amour de Dieu dans sa vie. Donc, il dépendait de Dieu, il marchait avec Dieu. C'est ça que Dieu désire pour chacun de nous, que nous puissions vraiment marcher, être avec lui. Même Jésus-Christ, notre modèle par excellence, il s'est retiré pour prier. Mais est-ce qu'il en avait réellement besoin? Non, il était Dieu. Mais il l'a fait pour nous servir de modèle, pour nous montrer que lui dépend de celui qui l'a envoyé. Et nous aussi, nous sommes appelés à dépendre de celui qui nous a envoyés. Un instrument bien-aimé obéit aux injonctions de son maître. Un instrument ne donne pas des directives au maître, mais un instrument obéit aux injonctions du maître. Lorsque nous dépendons de Dieu, nous avons un comportement donné. Remarquez avec moi la différence entre la chute de Jéricho et celle de Haï. La chute de Jéricho, Josué et tous les groupes dépendaient de Dieu. Ils ont cherché Dieu pour pouvoir maintenant aller combattre Jéricho et Dieu a donné des directives. Mais la chute de Haï, ils ont compris que c'est suffisant. Ils étaient capables de prendre des décisions, ils étaient capables de s'organiser et maintenant ils sont allés, ils ont échoué. Dieu désire que nous puissions dépendre de lui-même dans les moindres détails. Les petites choses peut-être que nous trouvons être inutiles, mais pour Dieu, ces petites choses-là ont de la valeur. Devant Dieu, tous nous sommes ses enfants. Et en tant qu'enfants, nous sommes capables de dépendre réellement de notre Père. Dieu désire que nous puissions dépendre réellement de lui. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Mon unique désir, c'est nous encourager tous à dépendre de ces dieux-là, sachant que dans ces pèlerinages terrestres, il ne nous abandonne pas. Il est avec nous pour que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner. Il est toujours avec nous. Nous allons prier. Nous allons prier. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Tu connais ce qu'il t'a déjà dit au travers de ce que je viens de dire. Et tu connais les besoins que tu as. Répands ton cœur devant lui. Père, à tes pieds, nous voici encore une fois pour implorer ta grâce, Père,
Éternel mon Dieu, te demander, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous visiter et de nous faire du bien. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main. Aide-nous, Seigneur. Tu vois, par moments, c'est difficile. Il y a des moments où nous avons tendance à vouloir tout faire par nous-mêmes. Seigneur, parce que nous trouvons que oui, de nous-mêmes, nous pouvons arriver. Jusqu'au moment où nous rencontrons un problème, c'est à ce moment-là que nous nous arrêtons, nous revenons à toi. Éternel, pardonne-nous toutes les fois où nous avons tout fait par nous-mêmes. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à dépendre de toi. Seigneur, s'il te plaît, que chaque jour, nous puissions réaliser que toi, tu veux être notre guide, que toi, tu veux nous conduire et que chaque jour, nous puissions marcher avec toi dans la victoire. S'il te plaît, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui m'ont suivi maintenant, Père, interviens dans la vie de celle qui a besoin de toi. Mais j'essaie une chose, c'est que tous nous devons dépendre de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Même dans les moments difficiles, Seigneur, donne-nous de dépendre de toi parce que toi, tu as des solutions à tous nos problèmes. Seigneur, merci de nous faire beaucoup de bien, de nous assister. Seigneur, et en ces jours, interviens dans les besoins des uns et des autres et permets que, Seigneur, mon Dieu, toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Éternel, merci. Tu étends ta main et tu nous fais à tous du bien. Tu étends ta main, Seigneur, et tu bénis ton peuple, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, mon Dieu, et tu nous rassures alors que nous marchons avec toi. Seigneur, merci. Merci parce qu'au-delà de ce que nous pouvons faire et dire, Éternel, toi, tu es à l'œuvre et tu glorifies ton nom. Seigneur, merci. Tu bénis, Seigneur, mon Dieu, ton peuple. Tu bénis, Seigneur, mon Dieu, même toutes les personnes qui aident, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que, Seigneur, mon Dieu, toutes ces images puissent être prises. Seigneur, tu fais du bien. Éternel, merci. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en tout et pour tout. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain et que nous soyons encore nombreux pour pouvoir écouter ce que Dieu va nous dire encore pour ce vendredi. Et gloire au Seigneur. Amen. Death in his place.